Marie, comme être de reconnaissance, a chanté les merveilles du ciel. Il nous invite ce matin, comme être de dépendance, à rendre grâce à Dieu pour ses multiples dons envers nous. C'est la raison pour laquelle, à la fin de cette année 2022-2023, comme Marie, nous sommes rassemblés pour dire merci au Seigneur. Car dire merci n'est pas une lâcheté, mais un devoir chrétien, un devoir moral. En signe de reconnaissance à notre Dieu, bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour nos parents, pour nos écoles, pour les directeurs d'église des écoles. Et bénissons Dieu pour sa présence au milieu de nous. Dans la confiance, implorons son pardon et sa miséricorde. Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 1,
le verset 24 et le chapitre 2, le verset 1. Lorsque Samuel eut été séduit, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur. Elle avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et un autre de vin. On offrit le taureau au sacrifice et on présenta l'enfant au prêtre Eli. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi en priant le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur. Il demeurera donné au Seigneur dans tous les jours de sa vie. Alors, il se prosterna devant le Seigneur et a écrit sa prière. Ta parole est vérité, ta parole est sainte.
chers professeurs et collaborateurs, collaboratrices, chers parents, mes chers amis, élèves. Nous sommes des êtres de dépendance. Nous fait comprendre notre mère Marie à travers son magnificat. Nous dépendons de Dieu d'abord. Nous dépendons de l'Église, de nos parents, de votre directrice d'école. Nous dépendons les uns des autres. Comme être de dépendance ce matin, la Vierge Marie nous donne une grande leçon d'humilité. Marie s'est bénéficiée de la grâce la plus extraordinaire que jamais une autre femme n'a reçue. Elle a été élue de Dieu parmi toutes les femmes de l'histoire pour être la demeure de Dieu parmi les hommes, pour être la mère du Sauveur que l'humanité attendait. Que faisait Marie en retour? Comme être de reconnaissance, Marie adore Dieu dans le respect et la soumission. En signe de reconnaissance et de gratitude, Marie témoigne la beauté de son Créateur. Exaltée en action de grâce, Marie, pleine de joie, a chanté les merveilles de Dieu dans sa vie. Alors, mes chers amis, êtes-vous en mesure de dire merci pour un bienfait reçu? Dire merci, c'est rendre grâce et en même temps confirmer et affirmer notre foi en celui qui fait tout pour contribuer à notre bien. C'est la raison pour laquelle le Magnificat, c'est la prière qui déborde du cœur reconnaissant de Marie envers la miséricorde de Dieu. Il comble du bien les affamés, disait Marie, notre mère. Le puissant fut pour moi des merveilles, saint est son nom. La parole de Marie dans son Magnificat. Qui donc, mes chers amis, l'allégresse est inséparable de la foi. Pleine de reconnaissance, Marie, par son Magnificat, chante les louanges du Seigneur à toutes et pour toutes les générations. Quel geste d'amour, quel signe de gratitude à l'égard du Dieu bon et compatissant. Nous aussi, non seulement nous sommes des êtres de dépendance, nous sommes aussi des êtres de reconnaissance. Quelle leçon pourrions-nous tirer de l'expérience de Marie? Prêtez attention, s'il vous plaît, pour écouter les leçons que Marie nous donne aujourd'hui. Première leçon, nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants. Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants.
Deuxième leçon. Non seulement Dieu est créateur, il est aussi provident. C'est-à-dire, Dieu a un regard particulier pour nous, sur nous. En tout temps et en tout lieu, il veille sur chacun de nous. Nous ne sommes pas seuls. L'ange Gabriel a quitté Marie après son message. Dans la confiance, Marie savait qu'elle n'était pas seule. Dieu est toujours là. Dieu veille sur chacun de nous, car il est créateur et provident. Troisième leçon, Dieu nous appelle à chaque instant de notre vie. En bon enfant, il faut l'écouter et lui obéir. Car ce même Dieu qui appelle, qui choisit, il accompagne aussi par sa divine providence. Comme enfant, comme jeune, il faut écouter la voix de Dieu dans votre vie. Quatrième leçon, laissez Dieu d'être Dieu dans votre vie. Laissez Dieu parler dans votre cœur. Laissez Dieu agir dans votre vie. Cinquième leçon, Dieu ne ment pas. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il est fidèle en tout ce qu'il dit. Sixième leçon. Nous sommes le peuple d'espérance. Nous marchons avec et vers l'espérance. Nous marchons avec et vers celui qui est lui-même espérance et qui nous invite à espérer contre toute espérance. Je dis à un peu le monde désespéré. Nous perdons vertu ça, valeur ça, la gagne, espérance. Un peu de jeunes qui l'école démotivée. Nous pas tant des professeurs, nous pas tant des directrices, nous pas étudier. Parce que maman, nous, papa, nous disons, nous appuyons pour nous, nous allons quitter le pays à tout à l'heure. L'école pas intéressée, nous. Hein? Ce n'est pas possible. Et les gens qui connaissent pas appuyer pour nous, ils sont désolés, ils sont déçus, ils ne sont pas sur l'école encore. Parce que les amis nous disent, tu allais praler, nous-mêmes pas praler, nous désespérons. Il faut espérer contre toute espérance, car nous sommes le peuple d'espérance. Septième leçon. Nous sommes les bénis de l'amour de Dieu. Nous sommes les bénis de la vie de Dieu. Et comme Marie, Dieu a fait pour nous de grandes choses. Nous avons toujours été aimés et nous serons toujours aimés. Nous sommes les bénis de Dieu. Dieu a fait pour nous comme Marie de grandes choses. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Est-ce que mon Dieu fait merveille dans la vie? Mon Dieu fait un pile pour nous. Nous avons fait nouvelle. Nous dans le pays, nous avons sa capacité. C'est pas vrai? Dans notre zone, dans notre pays, dans notre département, qui t'a arrêté rassembler comme ça, une fête, une la prière, nous pas capable. Et ça, les zones de nos droits, côté on pas capable passer, on pas capable aller. Mais nous-mêmes, plus ou moins, dans nous sommes capables de rassembler là, pour nous vivre la prière, pour nous vivre fête, pour nous vivre dire Dieu merci. C'est une grâce. Dieu a fait pour nous de grandes mains. Merveille, comme dit Marie. Huitième leçon. Quand Dieu nous regarde, il voit l'amour avec lequel il nous a créés. Il nous voit bien au-delà de nos fragilités.
nous accompagner pour que nous ne perdions pas de vue son regard. Dieu veut nous purifier, nous guider, nous accompagner. On nous garde la réalité, pays. Nous avons plus de jeunes garçons perdus. Ça prend mieux ces âmes. Parfois, âmes n'ont plus de passé. Âmes n'ont plus de passé. Âmes n'ont plus de passé. Ce sont des mondes, peut-être temps pour nous, qui étaient l'école, mais qui paraît de l'école. Ce sont des mondes, peut-être temps pour nous, qui étaient écoutés par parole de Dieu, tendez par parole de Dieu, mais ils n'ont pas mis en application. Nous choisissons chemin païen. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme Marie, Dieu veut nous purifier, nous guider, nous accompagner pour que nous ne perdions pas de vue son regard. Deuxième leçon, faites confiance au Seigneur. Il faut faire confiance au Seigneur. Dieu seul capable de vous conduire à destination. Dieu seul capable de vous aider à concrétiser vos rêves. L'homme est projet. Chacune de vous a ses projets. Et mon Dieu seul capable de canaliser projet. Lors quitter mon Dieu, fait chemin avec vous. Lors quitter mon Dieu, fait route avec vous. Lors obéir mon Dieu, lors tendez voir mon Dieu, tant pour maman Marie qui accepte suivre grâce mon Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Dixième et dernière leçon. Prends conscience des merveilles que Dieu a fait en vous. C'est la gratitude. C'est la reconnaissance. Comme jeune, comme élève, comme étudiant, avez-vous l'habitude de rendre grâce à Dieu lorsque vous constatez l'efficacité de son aide dans votre vie personnelle? Timounio, est-ce que vous contemplez merveille pour Dieu dans la vie? Est-ce que nous avons Dieu fait merveille pour nous? Qui ça le fait pour nous? Dis-moi quelqu'un ça nous le fait pour nous. Qui ça le fait pour nous? Lui, pour nous là, la vie, bravo, nous ne pouvons pas vous. Nous ne pouvons pas vous. Premier bagage, il fait, lui, pour nous là, la vie. Et la vie, mon Dieu, bon, nous, elle sortit dans mon Dieu. Et la vie est ça, sacré. La vie est ça, est sacré. Qui ça le fait pour nous encore? Lui, pour nous, manger la créature. La création. Notre maison commune, nous dit le pape François. Hein, il faut protéger la nature. Il faut protéger la création. Il faut nous acheter ton picot, nous acheter soda, nous acheter notre bagage, nous laver la tête, soit dans l'école là, soit dans la rue là. Il faut protéger la création. Qui ça le donne encore? Il va nous santé. Si vous parlez de santé, on ne peut pas faire loin du bon. Bon Dieu, parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Qui ça le donne encore? Hein? Qui ça le donne encore? Il va nous reconnaître connaissance. À travers qui? À travers les prophètes, les professeurs, les formateurs, les formatrices. Qui ça le donne encore? Oui, santé, nous dit déjà encore. Il va nous parler par an. C'est pas ça? Tu ne vas pas dire maman après mon Dieu, est-ce qu'il t'a plu? Non. Tu ne vas pas dire papa après mon Dieu, est-ce qu'il t'a plu? Non. Non seulement il va nous parler, tout ça il va nous encore, il va nous en amis. Pour nous épanouir, parce que nous sommes des êtres d'épanouis, d'épanouissement. Nous avons besoin de monde pour nous épanouir, nous, comme être social. Nous avons besoin de ça. Pour toute bagarre, ça y est. Est-ce que nous reconnaissons vers mon Dieu? Est-ce que nous disons mon Dieu merci? Oui. Comment nous dire merci? Dans prière, nous chanter, actionner de grâce. Alors mes chers amis, que cette célébration eucharistique soit pour nous l'occasion de témoigner la grandeur de Dieu dans notre vie.
comme Marie notre mère, laissons exprimer notre joie devant la bonté de Dieu. Puisque le Seigneur nous donne un regard neuf pour contempler, pour admirer ses œuvres dans la création, maintenant et pour les siècles et les siècles. Pour toujours espérer
Et tout ça, c'est à vous connaître, c'est nous qui avons commencé. Grand-mère, préparez-vous, nous le faisons devant. Nous venons à ton hôtel avec nos offrandes.
positionnons par l'effet de ta grâce et purifié dans l'Eucharistie que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Seigneur en mémoire.
Seigneur, donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché,
parole est descendue sous l'âme de la vie éternelle.
en faisant ce qui est bon, proclamez le bonheur sans limite. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et les autres, maintenant, Dieu pour les siècles et les siècles. C'est un bon serviteur de l'église. Pour demander le service, et pour l'argent.
vous pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée de fête, joyeux Noël et bonne année. Merci.